Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch. Les liens sont dans la description. Tous les jours, vers 20h30, 21h, on lance un live. On joue à pas mal de jeux, on se tape des délires. Donc n'hésite pas à passer et à follow. Ça ferait extrêmement plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble le petit chion qui va sortir. Donc le jour où je posterai cette vidéo, le 27 novembre, l'incroyable chevalier d'or, le maître de Mu. On va aller le voir ensemble, il est vraiment extrêmement fort. Et on va faire une petite review du perso, je vous dirai un peu mon avis dessus. Et bien sûr à la fin, s'il faut invoquer ou pas, la trois quarts du temps, hein, bien sûr on va dire oui. Mais je vais vous dire surtout pourquoi il faudra invoquer dessus. Sur ce, on va passer à la petite review. Mais avant ça, n'hésite pas frérot, si tu regardes les vidéos où tu tombes par hasard sur celle-ci et que tu l'apprécies, à t'abonner à la fin tout simplement et à lâcher ton petit pouce bleu. Ça ferait grave plaisir et en plus de ça, c'est ce qui permet à la chaîne tout simplement de perdurer dans le temps. Donc n'hésite pas et sur ce, on va tout de suite commencer. Donc Chion, le chevalier du bélier. Donc on va avoir sur son attaque de base, donc son premier spell, des dégâts physiques qui vont aller de 100 à 120%. Alors ce sort ne va pas être très intéressant, parce que on va le voir par la suite en fait. De la façon dont on va le build au niveau des runes, etc. L'attaque physique, on va un peu s'en fiche. On va s'en taper encore concrètement, on va s'en foutre. On va s'en foutre et vous allez voir pourquoi. Parce que ce petit chion... il ne nécessite que des PV. Et oui, il ne nécessite que des PV. Donc, premier sort qui ne va pas nous servir. On va passer tout de suite à la Crystal Robe. Donc, on choisit un allié pour placer un Crystal Robe. Le Crystal Robe absorbe 20% de la vie maximale de Chion. Les dégâts absorbés sont convertis en vie. Il ne peut être utilisé que sur un allié à la fois. Dur de tour, le manteau ne peut pas être cumulé. Donc, ici, on a un shield, concrètement, qu'on va venir placer sur un allié. À la star de Mu qui va venir mettre des murs devant les persos. Ici on va avoir un bouclier directement sur le perso à hauteur de 20% des PV. Mais ce bouclier va avoir la particularité en plus de ça d'absorber les dommages et de faire gagner de la vie. Donc autant vous dire que c'est un sort qui est excellent. En plus de ça, avec son passif Endless Starlight, on va venir tout de suite placer une immunité au contrôle sur le perso, donc à hauteur de 60%. Donc on dit immunité, mais bien sûr cela dépend de la chance adverse de statut. Si le perso a plus de chances que vous n'avez d'esquive, il va pouvoir vous contrôler. Mais sinon ça va être relativement safe à ce niveau là, surtout que ça donne de 60 à 100%. Donc autant vous dire qu'avec ça vous allez avoir un énorme boost au niveau de vos statuts. Et puis normalement vous allez pouvoir encaisser les 3 quarts des contrôles sereinement. Sereinement, il va venir contrer tout ce qui est les Moses, voilà, qui place en plus pas moins de 3 coups et à chaque fois ils font proc. Bah ici, ils vont venir juste taper dans votre shield et vous faire regagner de la vie. C'est aussi pour ça que je vous ai dit que contre Araishiki, il était très fort. Ça permet, vu que Araishiki tape en zone, de encaisser les dégâts. Mais pourquoi encaisser ces dégâts? Parce que ces dégâts, on va pas juste les encaisser en fait. On va avoir tout simplement le Stardust Revolution juste derrière. Donc Chion réduit de 30% ses points de vie maximum. Donc concrètement vous allez sacrifier 30% de vos PV quand vous allez lancer le sort. Donc on va dire que vous avez 35 000 de vie au level 80. C'est plutôt facilement atteignable avec un set de runes qui vous donne de l'HP et puis quelques caractéristiques secondaires en HP à droite à gauche. Vous allez perdre 10 500 PV et par la suite, donc ces points de vie maximum que vous allez sacrifier, ils vont infliger des dégâts à hauteur de 200% de ce que vous avez sacrifié. Donc je répète, on va avoir 35 000 PV, on va sacrifier 30%, ce qui fait 10 500. Ces 10 500 vont être augmentés de 200%, donc x2, ce qui va nous faire 21 000 et 21 000 de dégâts sur l'adversaire, sachant que ça peut crit. C'est plutôt extrêmement fort à ce niveau-là. On va venir placer un énorme bust mono cible sur l'adversaire, mais ce n'est pas fini parce que en plus de ça, on va avoir comme dégâts supplémentaires les dégâts absorbés par le bouclier donc de Chion. Et autant vous dire que quand vous avez un Araishiki en face qui va venir juste bourriner tout le monde, qui va pas pouvoir focus quelqu'un et qui va taper dans votre shield, bah le tour d'après vous allez juste l'imploser avec ce sort. C'est extrêmement fort et c'est pour ça que c'est le counter pour moi ultime à chacun. Voilà. C'est le counter ultime à chacun parce que chacun sans AOE,
il ne peut pas taper en fait. Tous ses sorts sont des AOE, vous allez avoir la flaque. Mais bon, c'est vraiment pas ça qui est le plus intéressant chez lui, comme vous le savez. C'est plutôt ses zones. Donc voilà, excellent perso. Alors en plus de ça, il va pouvoir tout simplement... c'est vrai qu'il y a beaucoup de teams qui sont articulés autour d'un seul perso qui fait des dégâts. Ce qui est très dangereux parce que si ce perso se fait contrôle ou se fait tuer, bah vous n'allez pas pouvoir tout simplement continuer le match. À partir du moment où votre perso meurt, vous allez avoir que des supports à côté ou des dégâts d'un point ou des contrôles. Mais vous n'aurez pas les dégâts suffisants pour continuer le combat, donc vous allez très vite abandonner. Ici on va vraiment avoir une immunité pour votre perso allié, que ce soit au contrôle ou aux dégâts. Et vous allez pouvoir tout simplement continuer sereinement tout votre combat, que vous ayez un petit doko qui fait tous vos dégâts, ou comme moi, pour les plus pauvres, un Aphrodite. Bah, si c'est vos seuls DPS, ça va venir tout simplement vous carry. C'est pour ça que ce perso est vraiment incroyable. En plus de ça, on va avoir seulement des PV. Tous ces sorts, en fait, fonctionnent au niveau des PV. On va avoir le shield en pourcentage des PV que vous avez. On va avoir aussi les dégâts ainsi que le sacrifice de PV de Starlight Extinction pardon, qui va fonctionner avec les PV. Et bien sûr, vu qu'on va l'utiliser comme support aussi, c'est très important d'avoir des PV pour pouvoir encaisser des coups, sachant qu'il va en consommer 30% à chaque fois qu'il va lancer sa Starlight. Donc un perso plutôt très complet, énorme dégâts mono-cible, un shield qui est juste parfait, immunité au contrôle. Que voulez-vous de plus, honnêtement? Que voulez-vous de plus? On a juste à le but full PV, et full résistance statue. Et puis voilà, en fait. Et puis voilà, vous allez pouvoir aller à votre guise en PVP et faire tout ce que vous voulez avec votre perso principal. Alors, au niveau des runes, sur le Wikia, ils ont conseillé de mettre des gouttes de feu pour le crit. Alors, ça peut être intéressant pour le Starlight Extinction, pardon. Non. Pour le Stardust Revolution. J'ai cru que j'étais avec Mu, mais bref. Enfin, Mu, pardon. Avec Mu. Mais oui, ça peut être intéressant de critiquer dessus pour faire un max de dégâts. Alors, ils ont préconisé des nouvelles lunes pour la rapidité, pour que vous jouez avant tout le monde. Je pense pas que je partirai sur ça à titre personnel, sachant que ce perso, je pense, va se faire hard focus pour ce qui est de tout ce qui est statue. Je pense que je partirais plutôt sur la restatue à ce niveau-là, pour éviter qu'il se fasse contrôle, tout simplement. Parce que, bien sûr, s'il se fait contrôle, vous n'allez pas pouvoir placer vos shields, et c'est un peu bête. Bon, le classique, la rune jaune, je sais plus, j'arrive plus à me souvenir du nom, mais bref. Le classique ténacité, voilà. Le classique ténacité, et puis une petite armure d'Héphaïstos pour... pour être bien tanky, ça me paraît pas mal du tout à ce niveau-là. Alors, donc, est-ce qu'il faut invoquer ou pas? Bien sûr, hein, bien sûr. Quand, en fait, sur SNCA, 90% des portails sont très intéressants, on va pas se mentir. Alors, la petite chose à savoir, c'est que il ne va pas être ajouté au pool tout de suite. Voilà, comme pas mal de persos ces derniers temps. Donc, vous n'allez pas pouvoir le rechoper avant... qu'il revienne sur un autre portail à thème, en fait, tout simplement. Que ça soit avec quelqu'un d'autre ou en solo, je pense plutôt qu'il va revenir avec quelqu'un d'autre. Donc ça va faire un laps de temps où vous pourrez pas le choper si vous l'avez pas maintenant, tout simplement. Sachant que, bon, en PVP, je pense qu'il va être surutilisé et surexploité. Alors ça dépend après de votre but, mais c'est vrai qu'en PVP, il est extrêmement intéressant. En PVE, beaucoup moins à voir ce que vous kiffez faire. Je vais y arriver parce que je suis tellement content à chaque fois qu'il y a un perso qui sort. Ça... j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois. J'ai les yeux qui pétillent. C'est juste incroyable. Mais oui, donc un excellent perso. Et bien sûr, je vous conseille de pull dessus. A savoir que prochainement, on va aussi avoir sûrement Poséidon qui va sortir. Hein. C'est un mystère pour personne, je pense. Il devrait sortir aux alentours de Noël, hein, je pense. Hein. C'est juste... faut juste penser logiquement. Faut qu'il nous sorte un gros portail à Noël. Un truc où on va pull beaucoup dessus. Et qui va nous faire user tous nos cristaux. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux que le premier SS sur la version globale. Pour ça, et tout simplement pour nous ramener un petit Poséidon. Après, est-ce qu'on a beaucoup de temps? En vrai, non. Je pense que, ouais, il arrivera d'ici un mois. D'ici un mois, donc à voir comment vous stackez vos cristaux.
sachant qu'il y aura sûrement un Fortune 4 à un moment ou à un autre pour bien vous les faire dépenser avant qu'il arrive. Mais je vous conseille au moins à minima de faire les invocations journalières. Donc les 3 singles, ils vous en remboursent une. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et peut-être d'aller jusqu'au 10 par jour si vous voulez vraiment pull dessus. Pour récupérer encore plus de cristaux. Donc vous allez en récupérer 3 pour 10 invocations. Mais vraiment, les 3 singles par jour, je vous conseille vraiment de les faire. Ça vous fait à la fin des 7 jours, ça vous fait 21 pulls pour 14 cristaux dépensés. Ce qui est plutôt très bon. Et on sait jamais, tenter la chance, peut-être l'avoir sur une single. Je vous le souhaite en tout cas, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Si vous ne l'avez pas déjà fait, le petit pouce bleu me ferait bien plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à follow la chaîne, enfin à vous abonner pour être au courant quand je sors des vidéos avec la petite cloche. Sur Twitch, on est souvent en live, donc peut-être que tu regardes cette vidéo un peu tard le soir. Peut-être qu'il est 20h30, 21h. Et peut-être que je suis sur Twitch. Donc n'hésite pas à aller check, je fais peut-être quelque chose qui t'intéresse. Ça fait beaucoup de peut-être dans la phrase, mais je compte sur moi en tout cas pour aller check. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée encore une fois. Et puis de bonnes invocations. Ciao, ciao, portez-vous bien.